Bonjour, chronique littérature. Aujourd'hui, on va dire fantasy avec Kalpa Impériale d'Angelica Gorodischer qui est sortie il y a somme toute peu de temps à la Volte et qui est un sacrément bon bouquin. En France, il n'est le plus souvent guère aisé d'avoir accès aux œuvres de littérature de l'imaginaire composées dans d'autres langues que le français ou l'anglais. Ça n'est pas totalement inenvisageable, je ne le prétends certainement pas, et l'on peut bien relever ça et là telle ou telle traduction, mettons, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du russe, ou en dehors de l'Europe, disons à tout hasard du japonais. À vrai dire, on peut relever à l'occasion des origines plus inattendues, à ceci près bien sûr qu'il s'agit d'exceptions qui confirment la règle, ce que l'on souligne inévitablement. Mais certes, il y a somme toute peu de temps, j'ai pu lire du fantastique arabe, irakien plus précisément, de la fantaisie estonienne, de l'horreur suédoise ou même, attention, de l'anticipation groenlandaise. Et si je ne l'ai pas encore lu, on peut relever qu'un prix Hugo chinois, ce n'est quand même pas tous les jours, et que cela pourrait indiquer une évolution bienvenue à l'échelle mondiale, sinon encore en français. Oui, mais c'est tout de même assez limité dans l'ensemble pour l'heure, outre qu'il faut éventuellement y accoler une certaine ambiguïté tenant à la qualification de genre. Ces auteurs ne sont pas forcément publiés dans des collections dédiées à la science-fiction ou à la fantasy, et ce, quand bien même leurs œuvres, prises objectivement, pourraient parfaitement en relever. Le cas de l'Argentine est peut-être singulier à cet égard. Au sein des littératures hispanophones, ce pays n'est sans doute pas le plus mal loti, loin de là, et plusieurs grands auteurs qui en sont originaires ont été abondamment traduits en français. Parmi eux, un certain nombre se frottant régulièrement à l'imaginaire, le plus souvent guère associé à la science-fiction ou à la fantasy ou même au fantastique, et plutôt fédéré sous la bannière du réalisme magique le cas échéant. Ainsi, Jorge Luis Borges, bien sûr, que j'ai évoqué sur ce blog à propos de l'Aleph et du Livre de Sable, Adolfo Bioy Casares, dont j'avais chroniqué la mention de Morel, compère de Borges, Bioy Casares avait parfois écrit à quatre mains avec ce dernier, comme dans Six problèmes pour Don Isidro Parodi, ou encore Julio Cortázar, que, honte sur moi, je n'ai encore jamais lu. Bon, des auteurs prestigieux et bien diffusés en France. Tous n'ont pas cette chance, et c'est sans doute regrettable, car la littérature argentine recèle probablement bien des merveilles inaccessibles à qui n'est pas hispanophone, comme votre serviteur. En témoigne donc Angelica Gorodischer, née en 1928, une auteure peut-être un peu plus connotée genre que les précitées, néanmoins reconnue dans son pays. L'argumentaire de l'éditeur dit qu'elle est là-bas aussi importante que Borges, mais je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Et même au-delà, elle a obtenu plusieurs récompenses internationales, dont le World Fantasy Award en 2011 pour l'ensemble de son œuvre. Mais qui, pour l'heure, était totalement inconnue en France, où seule une de ses nouvelles avait été traduite. Sans doute fallait-il une ambassade pour faire connaître ses écrits en dehors de la seule Argentine, et par chance, même si c'était bien tardivement, à l'âge de 75 ans, Angelica Gorodischer a bénéficié de l'attention de la meilleure des plénipotentiaires. Ni plus ni moins qu'Ursula K. Le Guin, de la même génération, elle est née en 1929, l'immense auteur de science-fiction et de fantasy, la meilleure avec des majuscules, qui, je n'en avais pas idée, a aussi été traductrice. En 2003 paraît donc en langue anglaise et sous ce patronage prestigieux un étrange volume de fantasy, peut-être, formellement une sorte de fix-up comprenant 11 nouvelles, et titré Kalpa Imperia, The Greatest Empire That Never Was, reprenant deux brefs recueils en langue espagnole, publiés une vingtaine d'années plus tôt, Kalpa Imperial, Libro Uno, La Casa del Poder, et Libro Dos, El Imperio Más Vasto. Pardon pour mon accent espagnol, je ne connais rien à l'espagnol. Non. Ces recueils avaient déjà été rassemblés en un unique volume en Argentine en 2001. Cette traduction a sans doute largement contribué à faire connaître Angelica Gorodischer au-delà des frontières de son pays natal, et pour le mieux, car il s'agit d'une œuvre parfaitement brillante et qui le mérite assurément. Il n'en a pas moins fallu encore 14 années d'attente pour qu'Angelica Gorodischer connaisse sa première publication française en volume à son nom, avec ledit recueil, traduit de l'espagnol par Mathias de Brenne, déjà responsable de la seule précédente traduction française de l'auteur, une nouvelle donc dans une anthologie bilingue, aux éditions de La Volte. Édition qui mérite plus que jamais des applaudissements pour cette parution, et bien plus que bienvenue, nécessaire. On est souvent tenté, au contact d'œuvres relativement méconnues, de jouer le jeu du name-dropping afin de donner une idée au lecteur de ce qu'il attend, sur un mode superlatif qui n'est toutefois pas sans inconvénient car bien trop souvent réducteur, au risque même de diminuer la singularité de l'auteur que l'on pense honorer en lui accolant tant de noms prestigieux et intimidants. L'éditeur certes ne s'en est pas privé, qui cite pêle-mêle, outre bien sûr des auteurs argentins au premier chef, incluant surtout Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares, d'autres références peut-être plus surprenantes, Mervyn Peake, Italo Calvino et Doris Lessing.
Le cas de cette dernière est sans doute à part. L'idée, au-delà d'une éventuelle parenté des œuvres, est probablement de mettre en avant une grande dame de l'imaginaire, et à ce compte-là, citer un prix Nobel peut paraître faire sens, surtout dans la mesure où la Volte a publié il y a peu Shikasta, j'imagine. Mais n'ayant pas encore lu ce dernier livre, ce que je compte bien faire, il serait assurément temps, je ne peux pas juger de la pertinence de cette association. Mervyn Peake, bien sûr, pour sa trilogie de Gormenghast, bah, je suis assez perplexe, guère convaincu, disons-le, à un détail près. Borges et Bioy Casares, cela paraît par contre couler de source, au-delà de la seule origine géographique. Si je ne connais pas assez le second pour me prononcer franchement, ce que j'ai lu du premier, par contre, soutient assez bien l'idée d'une parenté. Les nouvelles d'Angelica Gorodischer, avec leur chatoiement, leur attention au style, leur magie narrative et leur subtile étrangeté, pourraient éventuellement côtoyer les fictions et compagnie. La référence à Italo Calvino est cependant peut-être la plus pertinente, même si je suppose qu'il faudrait ici mettre en avant Les Villes Invisibles, j'y reviendrai, que je n'ai toujours pas lu, re-honte sur moi. En tout cas, c'est une mention que l'auteur paraît d'une certaine manière revendiquer, elle qui, dans ses remerciements en tête d'ouvrage, cite l'auteur du Baron Percher, etc., aux côtés de deux autres, Hans Christian Andersen et J.R.R. Tolkien. Car sans leurs mots galvanisants, ce livre n'aurait pas vu le jour. L'art du conte déployé dans Kalpa Impériale suffit peut-être à justifier la référence à Andersen, que je connais mal, voire pas du tout. Mais je trouve particulièrement intéressant qu'elle cite Tolkien, car sa fantaisie semble pourtant emprunter des voies plus que divergentes par rapport au légendaire tolkienien. Le philologue oxonien a constitué de manière encyclopédique un univers cohérent couvrant plusieurs ouvrages de taille, riche de références et renvois internes, au fil d'une architecture narrative d'une complexité et d'une précision inouïe, presque maniaque. Mais pas l'auteur argentine. Même en affichant au moins la façade d'un univers cohérent parcourant le recueil Kalpa Impériale, mais absent du reste de ses œuvres, je suppose. Ce sont l'ambiance, le vernis, plus que le détail du fond, qui justifient l'association des nouvelles du recueil. La manière de faire, le style, avec notamment cette mise en avant d'un narrateur qui se dit lui-même conteur de contes, et joue de l'oralité propre à son art de la manipulation. L'empire est là, mais il est si vaste dans le temps comme dans l'espace que, d'un récit à l'autre, les mêmes noms, de personnes, de lieux, etc., n'ont aucune raison de revenir. Il y a au moins une exception, sauf erreur. La grande impératrice figurant dans Portrait de l'impératrice est mentionnée, mais juste en passant, dans La vieille route de l'encens. Mais je crois que c'est tout, je peux certes me tromper. Et la continuité a quelque chose de douteux. L'idée de l'empire, davantage que son caractère concret, et l'art du conte, unissent donc les textes, mais la précision encyclopédique n'est certainement pas de mise. On pourrait éventuellement mentionner d'autres auteurs, dont en fait Ursula Le Guin, bien sûr. Je suppose qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que la créatrice de L'Écoumène et de Terre-Mère ait été séduite par la fantaisie chatoyante autant que subtile d'Angelica Gorodischer. Ce même si la parenté entre les deux auteurs n'a rien de frontal. Peut-être en fait faudrait-il d'ailleurs chercher plutôt du côté de l'Orsini, et ce même si les chroniques orsiniennes demeurrent à ce jour le seul livre d'Ursula K. Le Guin à ne pas du tout m'avoir parlé, pour je ne sais quel mystère. Et d'autres noms encore? Oui. Cette plume baroque et ce sens du conte, avec un certain humour parfois, peuvent rapprocher Kalpa Impériale de certains récits de Lord Anzani, je crois. Et je crois aussi, à l'instar du citoyen Caribe de II, que l'on pourrait très légitimement rapprocher Kalpa Impériale de certaines des œuvres des rares mais brillants Yves et Adarémy, Les Soldats de la Mer, avec cette fédération qui grandit sans cesse à la fois conformément à l'histoire et en la défiant, mais aussi Le Prophète et le Vizir, car ce petit ouvrage joue bien sûr, lui aussi, de l'art du conte, avec une atmosphère empruntée aux mille et une nuits que l'on peut retrouver dans Kalpa Impériale. L'empire le plus vaste qui ait jamais existé. C'est ainsi que le conteur le désigne à chaque fois, ou en usant d'une périphrase du même ordre. C'est en fait son caractère déterminant avec son ancienneté immémoriale. En fait, l'empire existe avant tout en tant qu'idée. À supposer qu'il existe, c'est ce qui est à la fois problématique et intéressant avec les idées. Dès lors, ses frontières temporelles et spatiales sont nécessairement floues. L'Empire n'est pas, disons donc, la terre du milieu de Tolkien, avec ses nombreux chroniqueurs jugés implicitement fiables, et ses cartes soigneusement annotées dans un perpétuel souci d'exactitude. Car le récit est ici laissé à des conteurs qui, de leur propre aveu, d'une certaine manière, ne sont pas à un mensonge près. L'origine de l'Empire, dès lors, est particulièrement floue, et cela a un impact non négligeable sur l'ambiance qui lui est associée, et éventuellement, pour qui tient aux étiquettes, sur sa caractérisation dans le registre de la fantasy ou de la science-fiction. Sa technologie a priori plutôt archaïque, même avec des variantes au fil des récits qui semblent couvrir des millénaires et passer d'une époque à l'autre sans plus d'explication, fait semble-t-il plutôt pencher la balance du côté de la fantaisie, mais à vrai dire, la magie ou le surnaturel ne sont guère de la partie, et à bien des égards, il pourrait bien davantage relever d'un imaginaire rationaliste, caractéristique de la science-fiction. D'ailleurs, s'agit-il d'un monde secondaire ou de notre monde?
La question se pose pour qui tient à se la poser dès la première nouvelle du recueil, Portrait de l'Empereur, dont le contenu pourrait être d'une certaine manière post-apocalyptique, au sens où nous y errons dans les ruines d'une société qui fut brillante et dont pourrait surgir une nouvelle civilisation. À cet égard, l'Empire pourrait évoquer la Terre mourante de Jack Vance ou le continent de Zotique chez Clark Ashton Smith, mais sans magie donc. La question du lien avec notre monde est sans doute d'une pertinence variable. Mais il peut être utile de mentionner ici qu'à l'autre bout du recueil, la dernière nouvelle, qui n'est peut-être pas le dernier conte, car c'est le seul récit du recueil à ne pas être introduit par la formule rituelle « le narrateur dit », etc., désignant le conteur de contes, la dernière nouvelle, donc « La vieille route de l'encens », introduit quant à elle l'idée de ce lien avec un caractère bien plus explicite. Le vieux guide y joue en définitive le rôle du conteur au travers d'une reprise en forme de mythe des origines, de l'Iliade et de l'Odyssée, avec pour héros des noms propres clairement dérivés de notre histoire et pour l'essentiel des stars d'Hollywood. À vrai dire, c'est une dimension du récit qui m'a un peu décontenancé et qui me fait le priser beaucoup moins que la plupart de ceux qui précèdent. Mais je suppose que ça se discute et en tout cas il y a quelque chose à creuser ici. D'autant que cette nouvelle a une autre ambiguïté. Elle oppose des individus ne pouvant croire qu'il y ait eu un temps où l'Empire n'existait pas et rejetant l'hypothèse comme une baliverne, et d'autres qui sont prêts à l'envisager, si cela permet une bonne histoire. Or, l'idée même de l'Empire est tout à fait problématique au prisme de cette éternité supposée, car cela peut donc être d'éternité que nous parlons, ou peu s'en faut. Le recueil ne s'en fait bien sûr jamais écho directement, mais le kalpa figurant dans son titre est en fait une conception propre à notre monde. C'est une notion issue de l'hindouisme, une unité de temps correspondant à une journée de vie du dieu Brahma, soit 4,32 milliards d'années. L'Empire aurait donc duré aussi longtemps ? Cela paraît très improbable, mais surtout dans la mesure où nos conceptions historiques et même préhistoriques prohibent l'acceptation d'une telle durée dans le règne humain. De toute façon, l'idée d'un empire qui semble si incontestable aux personnages figurant dans ces contes, dit-on, est probablement sujette à caution pour le lecteur, et à cet égard pour le ou les conteurs dont l'art est donc aussi celui du mensonge et de la manipulation. En effet, ce que tous ces récits semblent nous dire, c'est que la continuité de l'empire est illusoire. Tous ces contes ou presque nous parlent de crise et de brutaux changements dynastiques. Peut-être s'est-il ici quelque chose, outre la référence argentine bien sûr, mais j'y reviendrai plus tard, de l'histoire de la Chine, disons, où le mandat céleste a toléré bien des ruptures chaotiques, tout en maintenant l'esprit de l'unité de l'Empire. Mais on est ici d'autant plus porté à trouver suspecte cette continuité posée en axiome, que les conteurs eux-mêmes semblent, mais avec discrétion, pour ne pas tomber sous le coup de l'accusation de subversion peut-être, témoigner explicitement de ce que cette histoire n'est qu'un rêve, et peut-être pire, ou mieux, une contrefaçon. Sinon, pourquoi parler de cette dynastie des 300 rois qui n'a en fait connu que 12 monarques ? À moins bien sûr que la manipulation soit le fait, non de l'histoire, mais du conteur narquois assis en face de vous, et que vous payez pour qu'il vous raconte de belles faussetés. Mais le récit, de manière générale, justifie bien des entorses à la vérité. Alors admettons, l'Empire est le plus vaste qui ait jamais existé, et il a toujours existé. Mobile, cependant, peut-être, ou plus qu'on ne le croirait. Car les seules choses qui semblent vraies du début à la fin sont donc l'idée même de l'Empire, sinon son existence concrète, et l'immémoriale certitude de ce que le Sud est rebelle, car tel est le Sud. Titre de l'avant-dernier conte, mais l'agitation dans le Sud est évoquée dans la plupart des nouvelles d'une manière ou d'une autre. En fait, le Sud est peut-être bien le meilleur critère permettant de définir l'Empire, mais par défaut. En étant, il constitue par opposition l'Empire qu'il n'est pas, dans une optique presque manichéenne, où le tiers semble exclu. Reste que le conteur joue un rôle essentiel, qui va probablement au-delà de celui de narrateur, même si chaque nouvelle, à l'exception de la dernière, s'ouvre justement sur la formule programmatique « le narrateur dit » ou quelque chose du même ordre. J'ai déjà relevé en quoi la dernière nouvelle, « La vieille route de l'encens », avait quelque chose de déconcertant, et cela va sans doute bien au-delà, mais l'absence du référent, que nous savons non fiable, du conteur, y participe pour une bonne part. En effet, c'est comme si la mise en scène du conteur relevait d'une forme de connivence avec le lecteur, ou plutôt l'auditeur en fait, car c'est bien dans la tradition orale du conte que s'inscrivent ces divers récits. L'oralité s'exprime de bien des manières, toutes plus savoureuses les unes que les autres, incluant l'interpellation récurrente des auditeurs, ou d'autres effets de manche narratif, certains peut-être innocents, comme les nombreuses digressions que s'autorise le conteur, mais qui n'ont parfois que l'apparence de la gratuité, d'autres peut-être bien moins au travers du tissage soigneusement préparé, d'ellipses ou au contraire d'allusions qui sous-tendent le récit et l'orientent l'air de rien dans telle ou telle direction. Sans même parler bien sûr des histoires dans l'histoire, sauf qu'il faut en parler, car cette conception de la narration sur le modèle des poupées russes est souvent à son tour le moyen d'exprimer de manière détournée ce qui compte vraiment dans l'apologie ou la critique de tel ou tel souverain depuis longtemps oublié et qui n'a peut-être jamais existé.
Autre effet analogue d'ailleurs, la multiplicité des points de vue, même si ces diverses focalisations en définitive sont de toute façon manipulées par le compteur au premier degré de la communication. Vous voyez par exemple les deux mains. D'ailleurs, la mise en scène du compteur peut à son tour constituer un de ces effets de manche, et le compteur peut être amené à nous narrer sa propre histoire qu'il insinue non sans malice dans la grande histoire. En témoigne surtout la nouvelle Portrait de l'impératrice, où la sagesse de la grande impératrice consiste à écouter les contes, et précisément ceux du compteur qui s'adresse à nous, là, maintenant, celui-là même et personne d'autre. Mais que savons-nous autrement de ce compteur? Rien. Et nous ne savons pas notamment si c'est le même compteur qui nous divertit au fil des 10 premières nouvelles, la 11e étant donc peut-être à part, ou plusieurs représentants de cette estimable profession. Peut-être ne savons-nous qu'une chose, le compteur ou les compteurs ne sont là que pour nous divertir, et éventuellement nous édifier. Noble mission qui peut très bien s'accompagner d'entorses à la réalité, ou, dit autrement, noble mission qui suscite une véracité d'un autre ordre, et forcément supérieure, car artistique. Non, je ne vous parle pas de faits alternatifs. Réjouissons-nous, sous la plume chatoyante d'Angelica Gorodischer, nous lisons, ou plutôt nous écoutons, des conteurs plus qu'habiles et dont l'art savamment mûri et entretenu produit un effet délicieux. L'oralité des récits passe aussi par un style foisonnant et baroque, quelque chose, sinon de la poésie, mais pourquoi pas, du moins de la scansion. Et en cela, les contes de Calepin impérial s'inscrivent dans une tradition éventuellement mythologique et qui a la beauté outrancière des sagas et autres poèmes épiques, même quand le contenu s'avère, à y regarder de plus près, bien plus prosaïque. Les registres alternent et le sentiment d'unité demeure. Mais l'art du conteur, ou de la haie, ou du scald, c'est aussi d'embellir, pour séduire, et peut-être convaincre. Il use avec habileté de ses armes à ses fins et le résultat est admirable, ô combien convaincant. L'histoire de l'Empire, c'est souvent celle des empereurs, et les contes de Calepin impérial évoquent bien des dynasties, longues parfois, fort brèves d'autrefois, et qui comme de juste alternent les bons gouvernants et les mauvais, 50-50. C'est un aspect qui m'a saisi à la lecture et qui ne coule pas forcément de source, notamment parce que le recueil a une dimension politique et critique marquée sur laquelle je reviendrai bientôt. En fait, on pourrait se contenter d'y voir du fatalisme, mais je tends à croire que cela va au-delà, comme s'il y avait derrière les figures plus ou moins enthousiasmantes ou répugnantes des gouvernants un certain respect pour la chose politique, non sans humour certes, éventuellement jaune, sinon noir, et l'ironie est souvent de mise, dans les mots du conteur ou de l'auteur. Mais je tends à croire que ce n'est pas systématiquement le cas. Il y a donc de bons empereurs et d'autres qui sont mauvais, et la différence entre les deux ne renvoie finalement pas à un sketch des inconnus. En fait, les bons empereurs, c'est-à-dire les empereurs sages et brillants, même s'ils sont parfois sévères, même s'ils sont débauchés, mais alors ça n'est d'aucune importance, etc., ont généralement ces points communs, une grande curiosité associée à la conscience de leurs lacunes, et une certaine proximité avec le peuple. Plusieurs nouvelles en témoignent, mais surtout Portrait de l'impératrice, dans laquelle la dite impératrice est issue des classes populaires, idée qui revient à plusieurs reprises. Mais dans bien d'autres contes, nous retrouvons ce motif du monarque apprenant auprès de ses sujets de bien des manières, cela dit. Comme dans La fin d'une dynastie ou Histoire naturelle des furets, où le peuple, incarné certes en deux figures d'exception presque divines, permet à un jeune empereur de se libérer du protocole instauré par sa mère et qui l'étouffe, ou même dans La vieille route de l'encens d'une certaine manière. Apprendre auprès du peuple, ce n'est cependant pas apprendre auprès de n'importe qui, mais des sages qui s'y trouvent, un bien étrange médecin dans les temps, ou bien sûr le conteur lui-même dans Portrait d'impératrice. Et les mauvais empereurs ? Ils sont donc tout aussi nombreux, c'est statistique d'une certaine manière. Les méchants, les incompétents, les injustes, les idiots surtout, cela revient souvent, mais l'auteur semble dire que l'idiotie peut aussi affecter de bons empereurs, avec des guillemets, qui sont bons par défaut car trop bêtes pour être vraiment nuisibles. Ils sont légion. Leurs règnes sont plus ou moins longs, plus ou moins cruels, plus ou moins dommageables à terme. Ils passent, en définitive. Tout passe. Certes, ce n'est guère une consolation pour qui en souffre sur le moment. Mais les humbles et les victimes peuvent jouer un rôle dans ces affaires de manière plus ou moins inattendue. Car, de manière générale, et l'art du conte y est particulièrement propice, c'est même d'une certaine manière la raison d'être des nombreuses interpellations d'auditoire, de manière générale donc les récits alternent sans cesse entre les grands et les petits, au point de faire mentir le présupposé avancé plus haut, voulant que l'histoire de l'Empire serait l'histoire des empereurs. Les contes « Sièges, batailles et victoires de Selimagud » et « Premières armes » s'éloignent même de la cour impériale de manière générale. Cette alternance perpétuelle n'est pas pour rien dans les bouleversements dynastiques, si la bêtise et la méchanceté des empereurs ont éventuellement un rôle de déclencheur. À cet égard, rien d'étonnant à ce que le thème de la vengeance soit récurrent, par exemple dans Les Temps et Premières Armes, de manière affichée,
Mais c'est aussi vrai de bien d'autres contes, incluant La fin d'une dynastie ou L'histoire naturelle des furets, Siège, bataille et victoire de Célimagude, Eluruvide ou Tel est le Sud. Au-delà, le thème de l'individu insignifiant appelé à une grande destinée est typique des contes, de manière générale, et Calepin Impérial ne déroge pas à cette règle. Ce qu'elle en use sur un mode presque burlesque dans Siège, bataille et victoire de Célimagude, ou en partant de cette base sur un mode en définitive épique, Tel est le Sud. Parfois, ces personnages bouleversent le monde de par leur choix, mais déterminer le caractère libre de ce choix n'est pas toujours évident, et l'art du conte, à la manière du narrativium à la Pratchett, semble plutôt appuyer l'idée de fatalité. Un dernier point à évoquer peut-être, nous parlons donc ici d'empereur, mais aussi d'impératrice, et pas au sens d'épouse. De même, quand les contes quittent la cour impériale pour des intrigues au niveau de la rue, les femmes ont une présence essentielle, et éventuellement toute politique. Le sexe des personnages ne les détermine pas, du moins au sens où des femmes peuvent lutter et parfois vaincre l'étouffant carcan patriarcal dont est, au mieux épisodiquement, affecté l'Empire. Certes, il y a quelques femmes dans ces récits qui semblent avoir presque pour fonction de souffrir aux mains des hommes, la concubine dans Eluruvide surtout, mais justement, nous ne la voyons pas vraiment, elle suscite l'histoire sans en faire partie. Mais la résignation et la soumission ne sont le plus souvent guère de la partie. En témoigne par exemple l'ardente jeune femme de l'étang, mais deux nouvelles subliment encore cette dimension au niveau supérieur de la haute politique, qui sont Portrait de l'impératrice, la dite grande impératrice semble le type idéal du bon monarque dans l'ensemble du recueil, et La vieille route de l'encens, où le souvenir de la grande impératrice, justement, vient mettre à mal les préjugés politiques machistes dans lesquels se complaisent des marchands bourgeoisement bornés. Je crois que la parenté avec Ursula K. Le Guin est ici particulièrement marquée, qui consiste à mettre en avant des personnages féminins complexes et solides par eux-mêmes, avec le plus grand naturel, qui est la meilleure des démonstrations. Je note qu'en 1996, Angelica Gorodichard a reçu le prix dignité de l'Assemblée permanente pour les droits de l'homme pour son action en faveur des droits des femmes. Le reste de son œuvre en témoigne peut-être davantage, mais je crois tout de même qu'il y a de cela dans Calepin Impérial. Calepin Impérial traite donc d'hommes et de femmes, comme de justes, mais pas uniquement, car il est d'autres personnages qui sont au moins aussi importants et peut-être davantage, les villes. L'imaginaire de Calepin Impérial est en effet essentiellement urbain. D'une ville à l'autre, certes au long des routes empruntées par les caravanes, explicitement dans la vieille route de l'encens, nous parcourons déserts étouffants et forêts oppressantes, nous nous heurtons le cas échéant aux frontières infranchissables des montagnes ou de l'océan, mais la sauvagerie, à proprement parler, est surtout l'apanage du Sud, ce qui illustre bien sûr avant tout Tel est le Sud. Par opposition, l'Empire est donc souvent caractérisé par sa dimension urbaine. Et certaines de ces villes constituent donc des personnages à part entière. Deux nouvelles tout particulièrement en témoignent qui jouent de la carte de l'histoire au long cours où les villes survivent aux hommes, et à vrai dire tout autant aux dynasties. J'avais déjà évoqué Eluruvide, mais l'exemple le plus saisissant est certainement au sujet des villes qui poussent à la diable, chronique complexe, bigarrée et grandiose, pas dénuée d'humour cependant, ou du moins d'ironie, et qui constitue probablement ma nouvelle préférée de l'ensemble du recueil. Alors on peut être d'un avis différent, certes, ainsi le camarade Erwan Berchok sur le blog du Bélial, pour qui c'est justement la moins bonne nouvelle du recueil. Mais je rejoins sur un point, côté anglo-saxon, cet imaginaire urbain n'est pas sans évoquer un Jaina Miéville, outre le Calvino des villes invisibles, je suppose, et, ajouterais-je, les villes merveilleuses de Lord Dunsany. En dehors de ces cas limites, la ville a presque toujours son importance cruciale, et constitue une part essentielle de l'imagerie des contes, ne serait-ce d'ailleurs que dans la figuration des places ou des tavernes où s'installe le conteur pour régaler son auditoire de ses billevesées. La ville, dans ses ruines, est source de connaissances et de pouvoir dans Portrait de l'Empereur, et l'étang a une adresse dans les quartiers populaires. Les commerçants dans Portrait de l'Impératrice et Premières âmes expriment bien sûr, en contraste marqué avec le chatoiement impérial, une dimension bourgeoise au moins aussi essentielle à l'idée de l'Empire. Parfois d'ailleurs, au sein de la ville, en tant que personnage, tel ou tel bâtiment devient à son tour un personnage. Je suppose que c'est ici que l'on pourrait éventuellement faire le lien avec le Gormenghast de Mervyn Peake, avec cependant cette insistance urbaine qui l'emporte. Et les exceptions sont significatives et reléguées en fin de volume. D'abord, Tel est le Sud, justement parce que Tel est le Sud, et la vieille route de l'encens qui emprunte le désert et s'arrête en définitive aux portes de la ville, la destination de la caravane, car celle-ci choisit de patienter encore un peu, au prétexte que le désert suscite d'autres contes. Décidément, cette nouvelle est à part. Reste un aspect non négligeable à envisager, la dimension politique de Calepin Impérial. Au cours du XXe siècle, l'Argentine a connu une histoire politique tumultueuse, voyant se succéder divers régimes souvent autoritaires,
et le mot est bien trop faible concernant la dictature militaire de 1976-1983, dite du processus de réorganisation nationale et initiée par le coup d'État du général Videla mettant en place une nouvelle junte militaire. Une dictature cauchemardesque qui s'est complue dans les pires atrocités. Bien sûr, les publications, quelles qu'elles soient, étaient alors particulièrement surveillées. Calepin impérial, ou plus exactement le premier des deux recueils, La Casa del Poder, paraît en 1983, soit l'année même de la chute du régime, sans doute parce qu'il n'aurait pas pu être publié avant cela, car le livre est émaillé de références aux événements vécus par Angelica Gorodischer, comme par tous les Argentins. Ne pas s'y tromper cependant, Calepin impérial n'est pas une dystopie à thèse, disons comme 1984 de George Orwell, ou peut-être plus exactement, car il y aurait alors ce même rapport à des événements vécus très concrètement dans son propre pays, nous autres deux amis a-t-il. D'ailleurs, ce n'est même pas une dystopie tout court. L'Empire n'est pas un régime cauchemardesque et unilatéralement maléfique, odieux et pervers. Il l'est parfois, mais il est donc tout aussi souvent prospère, heureux, libre et juste. Bons empereurs et mauvais empereurs se succèdent, l'institution persiste en évoluant, et l'idée de l'Empire dépasse donc les jugements de ce type envisagés comme foncièrement ponctuels. La multiplicité des crises traversées par le régime impérial, avec sans cesse de nouvelles dynasties qui souvent ne durent guère, peut sans doute rappeler l'histoire tumultueuse de l'Argentine, alternant phases plus ou moins démocratiques, plutôt moins pour ce que j'en sais ou crois en savoir, et d'autres résolument autoritaires, avec le péronisme par essence inconstant qui ne cesse de faire le grand écart entre toutes les options envisageables sur tous les axes idéologiques. Je suppose que l'on peut faire le lien avec l'Empire tout aussi inconstant, dès lors, mais je dis peut-être des bêtises. Mais les horreurs de la junte militaire de 1976-1983 sont directement évoquées dans Calepin impérial, encore qu'avec subtilité puisqu'il ne s'agit donc certainement pas de marteler une thèse, même si la condamnation de ces exactions est bien sûr transparente. La critique intervient, mais par petites touches, avec un grand naturel qui participe de la narration. Dans nombre de contes, les atrocités relevant de la police politique sont donc présentes. Parfois cela implique d'envisager le sommet de l'État, avec les plus pervers et cruels des empereurs s'asseyant sur le trône, et les rues vides par exemple, ou tel est le sud. Mais souvent, les choses se jouent à un échelon inférieur, et les monstres sont alors tel chef de la police zélé, tel noble obsédé par sa prérogative, tel soldat avide de sang. Tous sont des petits chefs, des capots, autant de brutes sadiques et répugnantes qui aiment enlever, torturer, tuer, et n'ont finalement guère besoin de se draper dans les atours du salut public pour justifier leurs crimes. Ce en quoi ils sont pas toujours si éloignés des libertins égotistes du divin marquis, incarnant les différents pouvoirs d'une société foncièrement inégalitaire et arbitraire. Le traitement de ces ordures tout au long du fix-up est intéressant, car Angelica Gorodischer souvent use de l'humour et de la raillerie plutôt que de se contenter de l'indignation. Ces personnages, aussi redoutables soient-ils, et sans bien sûr jamais minimiser les souffrances de leurs victimes, s'avèrent avant tout parfaitement ridicules. Leur pouvoir, dont ils sont si fiers et si prompts à abuser, ne change rien au fait qu'ils sont essentiellement des sous-fifres et des minables. Sans doute serait-il malvenu de faire intervenir ici, d'une manière ou d'une autre, l'idée d'une justice transcendante, mais la possibilité que ces sales types paient enfin pour leurs crimes paraît assez élevée, et leur condamnation, en affirmant leur abjection, fera tout autant la démonstration de leur nullité intrinsèque. Dans un registre différent, je suppose enfin que cette idée d'un sud perpétuellement rebelle pourrait faire sens dans le contexte argentin ou à une échelle géopolitique plus ample. Toutefois, mes idées ne sont vraiment pas claires à ce propos, et je suppose que j'ai déjà écrit ou dit assez de bêtises comme ça, pardon, je vais donc m'en tenir là. Vous vous en doutez, le bilan est plus que positif. Calepin impérial fait partie de ces ouvrages pour lesquels le qualificatif de chef-d'œuvre n'est en rien galvaudé. C'est un livre brillant et beau, singulier et fort, roublard et fascinant. La plume chatoyante de l'auteur, dans son oralité complice, confère à ses tableaux un séduisant vernis, empreint d'humour et épique en même temps, qui convainc, enthousiasme, passionne toujours un peu plus à chaque ligne. On pourrait déplorer le caractère tardif de cette traduction française. Il a fallu, après tout, attendre que l'auteur atteigne l'âge canonique de 89 ans. Mais ce serait malvenu. Mieux vaut féliciter la Volte pour cette entreprise plus que nécessaire, qui permet enfin aux lecteurs francophones de découvrir une œuvre fascinante et une auteure immense, au sommet de la fantaisie. Calepin impérial est de très loin le meilleur livre paru cette année que j'ai lu pour l'heure, très chaudement recommandé, et c'est peu dire.